bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour le 7e épisode des Frikia, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, ne soyez pas timide, on ne mord pas, hein, et venez donc interagir avec nous sur Facebook, Twitter ou YouTube, ou bien laissez des commentaires sous nos contenus. Les mondialistes de Bola Latina, c'est fait, ceux de l'AFC Corner, c'est fait, le duo d'enfer de culture soccer, Non mais c'est pas sympa, faut pas se moquer. Enfin bref, vous l'aurez compris, nous allons dans cet épisode nous attaquer aux matchs amicaux de préparation au mondial de notre contingent africain. Mais il n'y a pas que le mondial dans la vie, alors avant cela, on ouvre le courrier Quinfri. Et avant de commencer, puisque la question des sources et de l'appropriation du travail d'autrui sont des débats qui reviennent souvent en ce qui concerne le travail des médias, mainstream ou indépendants d'ailleurs, j'ai décidé de vous lister les sites qui me permettent de travailler sur ces brèves et de tout simplement suivre le football du continent africain. Ainsi, je vous recommande, vous prenez votre petit stylo hein, pour noter, dans le désordre, l'excellent africfoot.com qui est un généraliste, le portail du foot tunisien kawarji.com, K-A-W-A-R-G-J-I, le nigérian All Nigeria Soccer, comme ça se prononce en anglais, .com, Muntakhab.net, M-O-U-N-T-A-K-H-A-B, ainsi que soccer212.com pour le Maroc, galsenfoot.com qui traite du Sénégal, G-A-L-S-E-N-foot.com, guinéfootinfo.info, pardon, dont bah, je ne vous fais pas l'affront de préciser le pays de prédilection, et enfin dzfoot.com pour le football algérien, dz de les lettres foot.com. Ça, et bien sûr les tuyaux avisés de mes camarades Pierre-Marie et Farouk, bien entendu. Voilà, vous savez tout mes chers amis. Avant toute chose, rendons hommage à Eli Onana Elundu, libéraux héroïques des Lions Indomptables de 1982, qui furent les premiers Camerounais à se qualifier pour la phase finale d'un mondial. Monsieur Elundu s'est endormi, comme le dit si poétiquement le proverbe, ce lundi 2 avril à 67 ans. Nous lui souhaitons une nuit des plus paisibles. En division 1 camerounaise, puisque nous y sommes, le Coton Sport, qui compte un match de retard, occupe la place de leader en compagnie du Feu de Cheu après 12 journées. Les deux équipes sont suivies de près par l'UMS de Loum, Fauvu Club et Young Club Academy, tous trois loin d'être distancés. Au Ghana, Gideon Obeng Kyereme joue au milieu de terrain de Adouane Star, le champion en titre, et a pris part à la victoire des siens le week-end dernier contre Inter Allié. Alors voilà qui n'aurait rien de bien foufou si le petit Gideon n'était âgé de 13 ans, 10 mois et 22 jours. Lucide, le jeune garçon a déclaré « J'ai beaucoup apprécié vivre l'expérience de jouer pour l'une des plus grandes équipes du Ghana et d'avoir partagé le vestiaire de ces grands joueurs du championnat ». Il aura tout de même fallu une investigation menée par le journal Obama Sport pour valider le record. Voilà donc rassuré, ou pas. Au classement, Adouana végète après 4 journées et un match de retard à la 10ème place, tandis qu'Ashanti Gold, ça c'est du nom de club, occupe seule la première place, 3 points devant ses nombreux poursuivants. Autre folie, plus extra-sportive, mais qui permet néanmoins de mesurer la popularité du bonhomme, c'est l'obtention de plus d'un million de voix de Mo Salah lors des élections présidentielles égyptiennes. Celles-ci ont tout de même désigné un véritable politicien comme vainqueur en la personne d'Abdoul Fattah al-Sissi, qui l'emporte avec 97% des votes. Nous voilà donc rassurés, ou pas. En championnat, Al Ahly a tué le game, comme disent les Jones, étant sacré champion depuis quelques journées déjà, possédant actuellement 19 points d'avance sur son dauphin Ismaili SC à 5 journées du terme. À l'autre bout de l'Afrique du Nord, le Maroc commence à avoir mal à sa candidature pour l'accueil de la Coupe du Monde 2026. Outre les suspicions d'entente préétablie entre le trio USA-Canada-Mexique, la FIFA, certains sponsors ainsi qu'un groupuscule de reptiliens Illuminati influents, le royaume chérifien a vu un potentiel allié du monde arabo-musulman de poids flirter sans pudeur avec le boss de United 2026, le projet adverse. Le président de la General Sport Authority saoudienne, Turk Al-Sheikh, a en effet posé main dans la main avec Carlos Cordero, le susdit boss de la candidature nord-américaine. Si rien n'a officiellement été déclaré par M. Al-Sheikh, il n'a pas tari d'éloges concernant le projet United 2026.
La candidature marocaine enregistre en revanche deux soutiens d'envergure, son voisin algérien ainsi que cocorico, la France. Alors, l'Amérique du Nord et l'Arabie Saoudite versus le Maroc, l'Algérie et la France, si, c'est un petit peu drôle quand même. Pendant ce temps, dans un Botola où règne l'irrégularité, l'Ittihad Tanger mène toujours la danse, suivi d'Agadir, distancé de 4 unités. Pour ce qui est du mondial à venir, ce sont 6 arbitres de champ de la CAF que la FIFA a désignés pour officier lors de la compétition. Le Gambien Bakary Gassama, l'Algérien Mehdi Habib Sharef, le Sénégalais Malang Diédiou, l'Égyptien Gehad Grisha, le Zambien Jani Sikwazé et l'Éthiopien Bamlak Tessema Weyeza. Ils seront accompagnés en Russie par 10 assistants, portant ainsi à 16 sur 99 le contingent arbitral de la Confédération africaine. Enfin, avant d'attaquer le décryptage des mondialistes africains, nous rappelons que le Mali, le Bénin, le Kenya ainsi que la Côte d'Ivoire n'ont toujours pas de sélectionneur, avis aux potentiels candidats donc. Voilà pour les petites annonces, passons maintenant à l'analyse des matchs de préparation des Africains qualifiés pour la Russie, à commencer par les deux Maghrébins, Maroc et Tunisie. Commençons par le Maghreb et les deux mondialistes maghrébins que sont Tunisie et Maroc, que nous allons survoler, débriefer et décrypter avec Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Ça va très bien, cette semaine internationale était riche en enseignements, mais même si on a des équipes concernées pour la Coupe du Monde, on n'est pas mécontent de voir les clubs reprendre leurs droits, parce qu'on ne va pas se mentir, la semaine internationale, ça a une sensation différente. C'est une sensation différente, mais quand on approche de la Coupe du Monde, il y a des frissons. Et ma foi, tu vas nous dire s'il y en a eu du côté de la Tunisie et du Maroc. Et commençons par ta Tunisie, à toi, tes Aigles de Carthage, qui ont joué 2 matchs amicaux. L'un contre l'Iran et l'autre contre le Costa Rica, deux équipes mondialistes donc que l'Iran d'ailleurs jouera le Maroc, hein, exactement, on ira le voir tout à l'heure, et le Costa Rica je n'ai plus son groupe en tête, mais la Tunisie elle devra se défaire de l'Angleterre, de la Belgique et du Panama, et c'est probablement en perspective de ce match contre le Panama que la Tunisie a joué le Costa Rica. Deux matchs, 1-0, 1-0. Un premier match contre l'Iran qui s'est joué à Rades. Exactement. À Rades, sur un terrain complètement détrempé qui, honnêtement, tant du côté iranien que tunisien, n'a pas vraiment laissé libre cours à un jeu franchement spectaculaire, et difficile de sortir une vraie analyse de ce match, mais peut-être y arriveras-tu. Et un match contre le Costa Rica bien plus débridé, tant dans le jeu que dans les émotions, puisqu'il y a eu des petites frictions entre Ticos et Tunisien, Aigle de Carthage, mais tu vas nous en parler un peu plus. Est-ce que ces deux victoires sont aussi satisfaisantes et preuve d'une bonne perspective qu'elles peuvent le laisser paraître? Exactement, la dynamique qui se dégage de ces deux victoires côté tunisien est assez intéressante. Il y a pas mal de choses à retenir, même si certes la petite victoire 1-0 dans la piscine de Rades contre l'Iran est, on va dire, fourni moins d'enseignements que le second match. Mais si on devait retenir, on va dire, allez, 3 points sur ces deux matchs, les voici. Le premier, c'est que en l'absence de Youssef Msekni, les cadres offensifs que sont Wahbi Khazri et Naïm Sliti ont vraiment assuré et fait le boulot, confirmé leur très bonne saison
en Ligue 1 avec Rennes et Dijon respectivement. Et s'il reste sur cette forme-là à l'orée du mois de juin, ça ne peut être que de bon augure pour la sélection tunisienne. Wahbi Khazri a été à l'origine du but contre l'Iran et a inscrit le but contre le Costa Rica. Sa position de faux numéro 9 lui permet beaucoup de varier les positions, de partir beaucoup plus loin, de faire beaucoup d'appels en profondeur, de venir aider ses coéquipiers sur le côté. Et malgré ce qu'on aurait pu en dire, cette position peut bien lui convenir et peut apporter des choses intéressantes. Dans un registre légèrement différent, Naïm Sliti a pas arrêté de proposer des solutions, solliciter des 1-2, bouger de partout. Il a fait vraiment deux matchs très intéressants. S'il y a vraiment de la logique, en plus du nom de Msakni, ce sont les deux noms qu'il faut coucher en premier sur la feuille au moment de penser aux 11 types. Ça, c'est le premier point vraiment positif qui rassure la Tunisie sur le côté offensif. En ce qui concerne la défense et de manière générale l'utilisation du ballon, les deux matchs amicaux qu'on a vus vont peut-être en définitive uniquement être représentatifs d'une seule situation de la Tunisie en Coupe du Monde, parce que là, contre l'Iran et le Costa Rica, la Tunisie a beaucoup eu le ballon, l'a beaucoup fait circuler contre des équipes un petit peu situées dans un bloc bas. Il faut voir lors des prochains matchs, notamment celui contre le Portugal, comment se comporte cette équipe dans une situation où elle n'a pas le ballon. Et oui, parce que juste pour préciser, généralement, je dis à la fin de présentation d'équipe, mais c'est bien de le dire là. En effet, la Tunisie jouera trois matchs amicaux avant de commencer la compétition. Et comme tu l'as dit, Iran et Costa Rica étaient plus une préparation pour une équipe de la taille du Panama. Mais pour préparer, puisque la Tunisie dans le groupe de la Belgique et de l'Angleterre, elle commencera par l'Angleterre puis la Belgique, donc c'est très compliqué, elle peut vraiment se retrouver éliminée en deux matchs, la Tunisie. Elle va préparer ces deux grosses les confrontations contre le Portugal le 28 mai et l'Espagne juste avant la compétition le 8 juin avec une petite pause contre la Turquie. Exactement, je pense que ces matchs-là seront beaucoup plus révélateurs de ce que peut faire cette équipe quand elle n'a pas le ballon, quand elle va subir et peut-être quand elle sera beaucoup plus bas. Là, il va vraiment falloir une grosse solidarité, vraiment une belle capacité à fermer les espaces. Et surtout, vraiment, bon, ils ont le profil pour faire de bonnes sorties de balles et vraiment faire mal en contre. Mais on ne peut vraiment juger de la capacité de cette équipe à faire ça que lorsqu'on verra les matchs amicaux et ce que ça va donner. Dans un autre registre, le sélectionneur Nabil Malol a abordé la possibilité de jouer ces deux matchs-là avec une défense un petit peu modifiée, c'est-à-dire avec trois défenseurs centraux et deux arrières latéraux très très offensifs, mais qui coulissent énormément. Quand vous jouez avec ce type de système, il faut vraiment que les centraux qui glissent pour compenser les espaces soient vraiment vifs, réactifs et vraiment capables d'anticiper aussi bien sur le placement que sur les déplacements adverses. Et là-dessus, il faudra évidemment que les joueurs soient testés là-dessus. S'il veut partir là-dessus, a priori, le défenseur de Sfax, Yacine Meria, sera un des voltigeurs sur le côté. L'ancien défenseur de Caen, Siam Ben Youssef, sera a priori la tour de contrôle au milieu, qui un petit peu est beaucoup plus là dans le duel, dans l'anticipation, dans le corps à corps, et qui sera peut-être le défenseur central qui reste au milieu. Et après, à savoir le dernier poste à qui il viendra, et est-ce que Johan Ben Alouane, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, est-ce qu'il peut tenir ça pendant 90 minutes? Et s'il peut pas, qui peut prendre ce poste-là et le tenir de manière fiable? Et en ce qui concerne le dernier point qu'on devait aborder à propos de ces deux matchs, c'est le comportement des petits nouveaux. Car à l'orée de ces deux matchs amicaux, le sélectionneur Nabil Malou avait apporté du 109 en convoquant quatre binationaux pour la première fois. Alors, hormis Ben Alouane, il y avait aussi le milieu de terrain offensif de Marseille prêté par trois, Seyfet Dinkaoui, le milieu de terrain Ilyas Kiri et le gardien de Nice, enfin prêté par Nice à Châteauroux ou à Zassen. Et ben dans l'ensemble, que ce soit dans l'attitude ou dans le rendement, on peut parler de copies vraiment satisfaisantes. Skiri a fait deux excellents matchs devant la défense, beaucoup de ballons récupérés, des sorties de balles propres, vraiment un très très bon rendement. Kawi a joué
les deux matchs dans des positions légèrement différentes. Et ce qu'on a retenu, hormis sa vraie envie de bien faire, c'est surtout les gestes qu'il faisait contre le Costa Rica pour replacer les joueurs, pour indiquer l'orientation du ballon quand il y a des espaces, etc. Une vraie bonne implication. Et en ce qui concerne Moazassène, le peu qu'il a eu à faire contre le Costa Rica, il l'a fait proprement, que ce soit dans les arrêts sur les rares occasions costariciennes ou les sorties aériennes, il a été très propre. Et en ce qui concerne Ben Alouane, à revoir, à revoir. C'est vrai que le match contre l'Iran, c'est difficile d'un peu juger autre chose que ses capacités dans le duel. Pour la relance, il va falloir voir dans d'autres matchs et sur la résistance physique aussi, il faudrait le retester pour avoir une idée plus précise là-dessus. Oui, parce que l'Iran a su se frayer des chemins. Hein. Il y a eu au final un 1-0 pour la Tunisie, mais il y aurait bien pu avoir un 1 ou un 0 pour l'Iran d'ailleurs. Il y a eu, pour ma part, j'ai trouvé... En première mi-temps. Oui, voilà, il y a eu, chacun a un peu eu sa mi-temps. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les premières sélections, parce que pour avoir regardé le match contre l'Iran et un bout du match contre le Costa Rica, j'ai vraiment eu l'impression que les joueurs dont tu as parlé étaient là depuis longtemps. J'ai vraiment pas eu l'impression d'une première, j'ai l'impression qu'ils faisaient pleinement partie du groupe. Je suis assez bluffé d'apprendre ça. Mais c'est une intégration ciblée et il y avait eu beaucoup d'articles qui faisaient un parallèle qui était un petit peu hasardeux entre le fait que la Tunisie apporte des binationaux aussitôt avant une Coupe du Monde. Il y avait eu un parallèle avec l'Algérie 2010. Là, il s'agit de renforts ciblés à des postes où la Tunisie voulait tester d'autres options. Il s'agit pas d'une arrivée massive juste pour tester des mecs pour une amélioration au hasard. C'est des recherches ciblées et Rien n'est fait au hasard là-dessus, et je pense que ça a été fait en amont, d'une part pour que l'intégration soit réussie, et que le joueur en question apporte un plus significatif. Très bien. Et pour finir, est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dégager comme certitude que nous a donné ces Tunisiens, que nous ont donné ces Tunisiens après ces deux rencontres, et quelles incertitudes restent pour Monsieur Mahaloul? La défense. La défense est une réelle incertitude parce qu'on ne sait pas comment on va se comporter lors des gros matchs, avec quel système on peut être le plus efficace, où se situe la capacité des joueurs défensifs à vraiment résister quand l'équipe adverse a de la grosse pression, a une grosse possession de balle, etc. Mais par contre, une vraie bonne certitude, c'est la forme des joueurs offensifs. Et que ce soit quand on a le ballon ou en contre, je suis convaincu que la Tunisie peut être efficace sur le plan offensif, ce qui n'était pas le cas lors des dernières participations au Coupe du Monde. Très bien. Et bien donc, on va le répéter, hein, la Tunisie jouera 3 matchs avant de se rendre en Russie. L'un contre le Portugal, l'un contre la Turquie et un dernier contre l'Espagne, avant donc d'aller affronter l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Un groupe fort compliqué pour la Tunisie. Passons donc maintenant aux Marocains, aux Lions de l'Atlas. On est un peu plus terre à terre, là on passe du côté aérien des aigles, côté terrien et montagnard des Lions de l'Atlas, qui ont également joué 2 amicaux pour 2 victoires eux aussi. L'une 2-1, 1-2 puisque ça se jouait en Serbie je crois, ça c'est moins sûr, mais contre la Serbie. C'était à Turin, mais oui, tout à fait, c'était au Stadio Olimpico, l'ancien, ceux qui ont connu hein, avant le stade actuel, le Juventus Stadium, il y avait le Stadio Comunale, et non, je confonds tout, le Stadio Comunale, c'est le stade du Torino, je confonds avec le Stadio delle Alpi, voilà. Donc voilà, le stade du Torino, j'ai fait mon vieux, de mon temps, etc., avec le delle Alpi, mais ça n'a servi à rien, oubliez tout ce que j'ai dit. C'était au stade ce du Torino. Ce fameux délai LP dont on avait beaucoup de difficultés à remplir. On avait l'impression qu'il sonnait un peu creux. Sonnait très creux. Mais donc, les Marocains donc, ils se sont imposés à Turin contre la Serbie, qui est mondialiste, et qui, donc 2-1, et qui s'est imposé également contre l'Ouzbékistan, qui est une fausse petite équipe, puisque l'Ouzbékistan est une nation émergente du football et qu'il faut, surtout pour une équipe comme le Maroc, peut-être de moins en moins regarder de haut. Même chose que pour la Tunisie, on a envie de dire, ces 2 victoires convaincantes, est-ce qu'elles sont, donc voilà, quand on regarde le résultat, c'est convaincant, est-ce qu'elles le sont également sur le terrain, ces 2 victoires? Alors, la victoire contre la Serbie a été considérée vraiment comme probante parce que acquise contre une sélection qui elle-même prépare la Coupe du Monde.
En ce qui concerne le match contre l'Ouzbékistan à Casablanca, Hervé Renard avait beaucoup fait tourner, a beaucoup donné de temps de jeu à des joueurs promis à être remplaçants en Russie. Et sur la configuration du match, ça a beaucoup plus servi comme galop d'entraînement, mais on va dire avec une légère intensité en plus, sachant que l'Ouzbékistan jouait assez bas. Disons que ça a été beaucoup plus une occasion pour des remplaçants côté marocain de se montrer qu'autre chose. En ce qui concerne la victoire contre la Serbie, Hervé Renard, malgré tout, était vraiment pas très satisfait à l'issue du match parce qu'il a pointé plusieurs points sur lesquels le Maroc avait un petit peu été, on va dire, défaillant. Et il a insisté sur le fait que ces points, s'ils étaient pas gommés, pouvaient, dans un contexte de compétition officielle, coûter cher au Lion de l'Atlas. Le premier, c'est l'entame de match. Contrairement à ce que le Maroc avait montré lors des derniers matchs de qualif où il y avait vraiment un vrai gros pressing très agressif, direct. Là, sur les 5-10 premières minutes, ils avaient vraiment beaucoup laissé l'initiative et la possession du ballon aux Serbes, qui ont quand même quelques beaux techniciens et qui, du coup, une fois qu'ils ont mis le pied sur le ballon, ont dicté l'entame de match. Ça, Hervé Renard a insisté sur le fait que si ça se reproduisait en Coupe du Monde, ça pouvait être problématique. Une légère vulnérabilité sur coup de pied arrêté défensif, où on sentait quand même une présence beaucoup plus conséquente de l'adversaire et qui aurait pu vraiment tourner mal au moment où la Serbie a poussé en fin de match. Et un petit peu plus problématique, Hervé Renard a pointé des pertes de balles aux 35 mètres, enfin des Marocains dans leurs propres 35 mètres, en disant que forcément, si on fait ça contre le Portugal et l'Espagne, la Ça va être punition vite derrière. peut Très très vite. vite tomber, peut très très vite tomber. C'est un petit peu étonnant parce que dans le souci d'apporter une touche technique au milieu assez bas et faire en sorte que ces éléments offensifs ne se marchent pas dessus, Hervé Renard avait pris pour initiative de faire reculer Younes Belhanda d'un cran et de constituer un milieu de terrain à la fois El Hamadi fait office de déblayeur devant la défense et où Boussoufa et Belhanda dans une position de entre guillemets de meneur un petit peu reculé fluidifie la circulation de balle pour la remonter le plus vite possible au principal feu follet des 35 derniers mètres adverses cette fois-ci, c'est Hakim Ziyech. Et disons que c'est quand même assez étonnant que même avec cette configuration-là, le Maroc ait eu beaucoup de pertes de balles. Je pense que ça peut être soigné avec les matchs amicaux, mais le fait que Hervé Renard parle de ça en conf de presse, c'est un point qui n'est pas anodin. En ce qui concerne les principales satisfactions, les deux prestations, enfin la prestation de Hakim Ziyech contre la Serbie était vraiment bluffante parce que il transforme le penalty, il donne une passe décisive à Boutaïb et il a été absolument partout. Il a beaucoup changé de positionnement, il provoque énormément balle au pied, donne la passe quand il faut. Il s'est vraiment étoffé avec la sélection marocaine et s'impose vraiment comme le leader offensif. Et sa prestation contre la Serbie est vraiment un très bon signe de ce qu'il peut apporter, en particulier si autour de lui les éléments offensifs ne se marchent pas dessus. En ce qui concerne le poste de numéro 9, l'ancien attaquant de Strasbourg, Boutaïb, a marqué des points et garde sa marge pour être titulaire avec son gros pressing, sa grosse présence, son but opportuniste. Je pense qu'il restera devant les deux autres candidats au poste qui sont Ayoub El Kaabi, le tube de l'hiver côté marocain, le meilleur buteur du Tchan en début 2018, et l'attaquant d'El Ahly, Walid Zaouf. Pour lui faire un coucou, notre suiveur Ibrahim, j'ai oublié ton nom, je suis désolé, mais tu te reconnaîtras. Oui, allô Ibrahim, Exactement. ne tarit pas d'éloges sur Voilà, exactement. Donc cet voilà, tu attaquant vois, aujourd'hui on en de a l'Est. parlé. On en Voilà. parlera plus la prochaine fois. A priori, Boutaïb va rester devant les deux, devant Azarou et Ayoub El Kaabi. Reste à savoir qui passera devant l'autre parce que je pense qu'Hervé Renard n'en prendra que deux. Et a priori, il faut vraiment attendre les prochains matchs amicaux pour savoir lequel des deux chopera le ticket. En ce qui concerne la défense, que ce soit la configuration Benatia, Romain Saïss ou Benatia Da Costa, c'est solide physiquement dans les duels. Après, sur le but serbe, on a constaté quand même un léger temps de retard. Après, faut voir contre des grosses attaques qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est il faut
ça laisse à... Ça laisse à Il y a vraiment désirer. de quoi se poser des questions. Ça laisse être... Oui, il faut vraiment que ce soit retesté, que la charnière centrale idéale soit testée dans d'autres contextes pour vraiment voir si elle peut tenir ou pas. On a constaté que Nabil Dirar, qui est un arrière latéral assez offensif, laisse quand même beaucoup d'espace dans son dos et les Serbes en ont vraiment beaucoup profité, que ce soit en première, en seconde mi-temps. Ça aussi, ça peut être un point qu'il faut essayer de gommer pour les Lions d'Atlas. Et en ce qui concerne l'autre poste de latéral, ça se joue entre Hamza Mendil et le jeune du Real Madrid, Achraf Hakimi. Et pour ce qui est des remplaçants, qui ont eu le temps de s'étalonner contre l'Ouzbékistan, on peut retenir la bonne activité de Amine Harit, en dépit de cette nouvelle coupe de cheveux blond peroxydé qui suscite le débat. C'est un avis personnel, mais bon, on va dire que heureusement que Un mal qui frappe beaucoup de joueurs. Voilà, on va dire que le pourcentage de passes réussies compense un petit peu ce problème. Mais bon, et en ce qui concerne les jokers, Faisal Fajr pour sa qualité dans les coups de pied arrêtés et Sofiane Boufal qui a fait une bonne deuxième mi-temps contre l'Ouzbékistan, bah, seront des jokers, mais ce sera difficile de passer devant les titulaires. En plus, on a constaté contre l'Ouzbékistan que sur les fins d'action, Sofiane Boufal, une fois qu'il a la balle, on sait à peu près comment ça va finir. C'est Hormis El Khaabi dont tu nous en as pas dont tu que tu as cité, il y a eu on a parlé beaucoup hein, dans la presse marocaine des joueurs locaux qui ont gagné le CHAN. Et on n'en voit pas énormément sur ce groupe, sur ces deux matchs. Et Hervé Renard n'a pas forcément laissé entendre que la porte était grande ouverte pour ces joueurs-là. On pense par exemple aussi à Ben Cherki, hein, qui avait brillé avec le Wydad l'an passé en Ligue des Champions, en attaque. Est-ce qu'il y a quelques joueurs locaux, donc, du championnat du Botola, championnat marocain, le Botola, est-ce que quelques-uns d'entre eux arriveront à tirer leur épingle du jeu? Enfin, d'ailleurs, des joueurs locaux, même si Ben Cherki est parti en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne sais plus. Exactement. Al Hilal en Arabie Saoudite En et Arabie bon Saoudite. les la, le début d'expérience est un petit peu compliqué et je pense que sur le plan sportif est-ce que c'était une bonne idée finalement peut-être pas surtout pour dans un cadre de visibilité pour rester dans le radar d'Hervé Renard sachant comment Youssef El Arabi est sorti de ces radars-là généralement Hervé Renard est quand même un petit peu réticent. Il faut vraiment que le joueur soit vraiment un cadre confirmé, que c'est le cas de Boussoufa, pour que quelqu'un qui joue au golf garde quand même, reste en odeur de sainteté. Là, pour Ben Cherki, c'est compliqué. Hervé Renard avait jamais fait de mystère sur le fait qu'il faudrait vraiment une trajectoire étoile filante pour qu'un local puisse prétendre à une place dans les 23. Même le virevoltant ailier de Wydad El Haddad aura beaucoup de difficultés, même s'il a quand même des qualités, il aura quand même beaucoup de difficultés vu la concurrence qu'il y a à ces postes-là de s'imposer. Et en ce qui concerne, on aurait pu citer aussi le défenseur, l'ex-défenseur du Raja, El Yamir, mais faut voir maintenant s'il a du temps de jeu au Genoa, vu qu'il a été transféré au Genoa, faut voir ses débuts là-bas afin de déterminer s'il peut lui aussi tirer son épingle du jeu. Très bien, eh bien tu nous as déjà, hein, j'allais te lancer sur les certitudes, les incertitudes, mais ma foi, en fait, tu l'as déjà bien assez dit dans tes 3 points. Ça, on peut, enfin, sauf si tu veux les résumer, en gros, oui, voilà, si tu devais résumer rapidement, du coup, avec quelle certitude et incertitude le Maroc termine ces deux matchs amicaux? La conviction d'avoir un milieu offensif de qualité unique en la personne de Hakim Ziyech, un grand éventail de solutions sur le plan offensif qui lui permet vraiment de combler tous les postes et de changer son fusil d'épaule si ça fonctionne pas. Là, il y a vraiment du choix. Voir comment ce milieu de terrain avec des meneurs de jeu un petit peu reculés peut se comporter contre des équipes qui, elles aussi, confisqueront le ballon. Parce que, on va pas se mentir, contre l'Espagne, il va falloir avoir le cœur bien accroché pour, d'une part, toucher le ballon et puis surtout l'exploiter de manière efficace quand ils l'auront. Voir si la défense tient le choc. Le Maroc présente quand même on va dire des bonnes certitudes, mais elles aussi devront être mises à mal par d'autres matchs amicaux un peu plus difficiles pour se faire une idée. Eh bien, belle transition, j'allais y venir.
Je n'arrive pas à trouver de matchs amicaux pour le Maroc prévu avant la Coupe du Monde. J'imagine qu'il y en aura. Est-ce que tu sais si c'est prévu ou si c'est juste qu'ils n'ont pas encore été bouclés, on va dire, au niveau de l'organisation et de l'adversaire ? Si je ne dis pas de bêtises et je ne veux pas en dire, je crois que le Maroc a booké un match contre l'Ukraine, il me semble. Pour les autres, il faudrait que je vérifie. Pas de soucis, personnellement je n'arrive pas à en trouver. Un petit peu pris au dépourvu. Pas de soucis, c'était pour savoir si t'étais mieux informé que moi, parce que je n'arrive pas à le trouver sur internet. Il n'y a pas de match amicaux visiblement de prévu. Enfin, je n'en trouve pas. L'Ukraine le 30 mai. L'Ukraine le 30 mai, bah voilà, parfait. J'imagine qu'il y en aura un autre. Peut-être qu'ils cherchent encore leur adversaire pour se préparer à cette Coupe du Monde dans laquelle ils échoueront dans le groupe de l'Iran, du Portugal et de l'Espagne. Un sacré groupe donc, mais dont le calendrier fait que peut-être un, éventuellement, il y a moyen, on ne sait jamais, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude, puisque le Maroc commence par l'Iran alors que le Portugal et l'Espagne s'entretueront d'entrée de jeu. Donc voilà, le second match, quand le Maroc jouera le Portugal dans le second match, peut-être que le Portugal sera emprunté parce qu'ayant déjà perdu contre l'Espagne, peut-être un petit match nul, on ne sait pas. Voilà, donc il y a peut-être son épingle à tirer du jeu, le Maroc, grâce à ce calendrier. Tout l'inverse de la Tunisie, d'ailleurs, qui se tape les deux gros avant de terminer par le petit. C'est tout à fait différent comme calendrier. Voilà, alors en réalité, les plus optimistes parmi les fans des deux sélections vont tabler sur un concours circonstance sur du 4 points, un match nul contre un des gros, et en gros le fait que ça pourrait se jouer sur qui bat la quatrième sélection avec le plus gros écart de but. Mais dans le cas du Maroc, ça ressemble beaucoup à la situation de la Tunisie en 2006, qui commençait par l'Arabie Saoudite avant de jouer l'Espagne et l'Ukraine. Il y avait, on va dire, dans l'opinion publique, une légère conviction, même si les gens ne voulaient pas l'avouer, que le match contre l'Arabie Saoudite, c'était, il fallait que ce soit les 3 points dans la poche. Et à l'époque, la Tunisie avait constaté que c'était très compliqué, elle était revenue en fin de match de partout, ça avait vraiment été un match très difficile. Et pour avoir vu cette équipe de l'Iran résister vraiment très fort contre la Tunisie, battre l'Algérie quelques jours après, mais bon, l'Algérie est quand même dans une situation différente, cette équipe iranienne peut vraiment poser beaucoup de problèmes si en plus elle tient physiquement ses fins de match, contrairement à ce qui a été le cas contre la Tunisie. Il va falloir que le Maroc fasse le boulot, et si je devais vraiment, sur ce que j'ai vu, si je devais vraiment faire un pronostic, je tablerais sur un bon vieux 1-0 des familles, comme le Tunisien. Ça va vraiment pas être simple. Très bien, et bah écoute, merci beaucoup Farouk, et puis on se retrouve rapidement dans un Africa number 8 pour, eh bien il me semble qu'on avait un petit peu prévu de reparler de la Ligue des Champions comme d'habitude, hein. C'est notre sujet préféré dans Africa Press. Avec grand plaisir. Et bah c'est parfait. Et bah écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Enchaînons avec le Nigeria et l'Égypte, dont les résultats lors de ces deux matchs ne reflètent pas forcément les enseignements que l'on peut en tirer. Yali. Sarubi Bembi Uramaya. Africa, Africa. Et nous rejoignons tout de suite Pierre-Marie Gosselin pour faire le débrief, l'analyse de ces matchs amicaux, ces matchs de préparation de l'Égypte et du Nigeria et de l'Égypte. Comment vas-tu Pierre-Marie ? Bonjour Simon, bah écoute, ça va très bien. Traditionnel petit point Abisport. Eh ben écoute, bref, je suis en train de commencer à désespérer un petit peu. Le retour au Bénin est en train de capoter un peu par rapport à ce qu'on avait prévu de mettre en place avec le président de l'académie. Donc bon, maintenant ça est en train de se mettre en place pour que je fasse ça à distance. Écoute, toujours pas de nouvelles du championnat. On nous a annoncé un départ pour début mai. Donc voilà, bon, encore un mois à attendre, espérant que ce soit pas repoussé. Et puis pour les
pour les plus jeunes. Sinon, on a avancé du côté des tournois, puisqu'on devrait pouvoir participer à un excellent tournoi du côté d'Abidjan, qui est pour les moins de 17 ans, qui s'appelle le TIDA, le tournoi du district d'Abidjan. Et ben, figure-toi que voilà, on a entrepris les démarches pour y participer. Et peut-être que ben, Abisport en fera partie cette année. Ce serait quand même une super nouvelle, parce que sincèrement, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de tournois pour les jeunes de cette qualité-là. Super ça. Bah écoute, Efrikia, on peut le dire, Efrikia média officiel de l'Abisport. Donc voilà, vous le savez maintenant avec Pierre-Marie, vous aurez toujours le petit point Abisport. Chers auditeurs, je vous préviens par avance, si derrière moi vous entendez des bruits de scie sauteuse comme maintenant, eh bien c'est tout à fait normal, ce sont tout simplement mes voisins, enfin, pas tout à fait mes voisins, mais il y a des travaux. Donc voilà, c'est les conditions des enregistrements, des podcasts Lucarne Opposée. On n'a pas encore de studio radio, peut-être un jour, mais voilà, donc veuillez m'en excuser. D'ailleurs, pour les plus attentifs qui ont écouté le AFC Corner numéro 6 sur les sélections, on peut l'entendre aussi, la scie sauteuse. Enfin bref. Pierre-Marie, on était parti là pour décrypter donc les matchs amicaux, les matchs de préparation du Nigeria, de l'Égypte, les aigles et les eagles. Eagles, oh là là, la prononciation anglaise c'est catastrophique. Et pourquoi pas commencer bah, d'ailleurs par les Nigérians qui ont joué deux matchs amicaux, l'un contre la Pologne et l'autre contre la Serbie, deux équipes de l'Est, donc deux équipes, une équipe balkanique, une équipe slave, toutes deux mondialistes et toutes deux avec voilà, plutôt une belle génération, donc deux beaux candidats qu'avait choisi là Garnot Rohr et la fédération nigériane. Tout ça s'est soldé par une victoire contre la Pologne, 1-0, et une défaite contre la Serbie, 2-0. Quels enseignements on peut tirer de ces deux rencontres, Pierre-Marie ? Bon, alors, effectivement, pour le Nigeria, d'un point de vue des résultats, bon, c'est mitigé, forcément. Une victoire, une défaite, mais après, voilà, comme pour toutes les sélections qui sont en train de préparer leur mondial, les matchs de préparation servent aussi à faire les derniers réglages, et un petit peu comme ce qui s'est passé notamment avec l'équipe de France, ben le sélectionneur n'a pas hésité à faire appel à de nouveaux joueurs sur une liste élargie pour donner la chance aux derniers qui auraient la possibilité d'intégrer les 23. Donc voilà, c'est des résultats à prendre un petit peu avec des pincettes. Le premier match contre la Pologne où il emporte 1-0 grâce à un penalty de Victor Moses, pourrait être le match le plus révélateur du Nigeria, puisque c'était grosso modo l'équipe type qui était alignée avec seulement comme absent et pas un petit absent, puisqu'il s'agit du capitaine Mikel Obi qui n'était pas là pour les deux matchs. Donc hormis lui contre la Pologne, en tout cas le 11 de départ semblait être plutôt proche de ce qui débutera du côté de la Russie. La Pologne, voilà, c'est quand même c'est intéressant. C'est un adversaire intéressant qui avait quand même Lewandowski aligné à la pointe de l'attaque. Donc pour la défense du Nigeria, c'est toujours important de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de mieux. Et sincèrement, l'attaquant polonais est probablement un des meilleurs neufs à l'heure actuelle. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant, surtout qu'au final, ils n'ont pas encaissé de but. Donc voilà, pour la confiance de l'axe central Balogun Trostekong, c'est plutôt pas mal. Le deuxième match qui s'est joué... D'autant plus que oui, la Pologne, je l'avais vu jouer contre la Corée du Sud. C'est oui, ça joue très très bien. C'est vraiment une jolie équipe, c'est une bonne équipe. Donc s'imposer 1-0 contre les Polonais, ça n'a rien d'anodin. Et comme tu le dis, d'autant plus quand on sait que c'est cette équipe slave comporte un numéro 9 de la taille de Lewandowski. Et donc tu disais donc voilà, ensuite second match contre la Serbie, perdu 2-0. Ouais, exactement. Donc c'est un match qui s'est joué du côté de l'Angleterre. Pour la petite anecdote, un gardien n'a pas pu participer puisqu'il n'a pas obtenu de visa pour pouvoir aller jouer un match amical sur le sol anglais. C'est quand même terrible hein, que les Anglais continuent à embêter comme ça les sportifs à pas pouvoir venir démontrer, enfin jouer tout simplement, puisque n'oublions pas que le sport est un jeu, à pouvoir venir jouer sur leur territoire pour un seul match. Voilà. Donc, comme si ce gardien allait s'éparpiller, s'évaporer dans la nature et abandonner sa carrière au profit d'une vie de migrant clandestin du côté de Londres. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement, et c'était aussi l'occasion de mettre un petit pic à l'Angleterre.
Pour ce match contre la Serbie, ça s'est soldé par une défaite 2-0 avec un doublé de l'attaquant, je crois, de Newcastle, Mitrovic, il me semble. Ils ont encaissé des buts en deuxième mi-temps. Voilà, bon, déjà, le Garnotror avait fait un petit peu tourner, notamment devant et au milieu. Derrière aussi, bon, il avait fait une équipe un petit peu mixte. Il avait mélangé quelques titulaires avec des remplaçants potentiels. Voilà, c'était pas trop mal. Bon, ils prennent deux buts en milieu de deuxième période. C'était un match assez propre. Sincèrement, bon, compte tenu de la rotation qu'a effectué le coach, moi, en tout cas, la première mi-temps était plutôt bien accomplie. Quelques occasions ont été manquées, mais les occasions ont été créées, donc c'est le plus important. Un bilan un petit peu mitigé. Il faut rappeler quand même que le Nigeria va commencer sa Coupe du Monde contre la Croatie. Il leur reste deux matchs de préparation, un contre l'Angleterre et la République tchèque qui va se jouer lors des dates FIFA, donc on aura tout le monde, et un troisième match contre la RDC, là c'est hors date FIFA, donc il y a de fortes chances que uniquement les locaux y participent. On sent bien que ces Nigériens sont focusés sur la Croatie. Leurs matchs amicaux sont uniquement contre des Européens et d'Europe de l'Est, donc c'est pas anodin que la République tchèque vienne à quelques semaines de la Croatie. On sent qu'ils ont déjà coché les rendez-vous à ne pas manquer. Et il faut rappeler quand même que il y a de cela quelques mois, l'Argentine avait joué contre le Nigeria en Russie et le Nigeria avait emporté 4-2. En tout cas, leur préparation, d'un point de vue global, est assez intéressante. Si tu me permets, on peut faire un petit point sur leur effectif pour voir où est-ce qu'ils en sont. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, comme tu le dis si bien, focusons-nous sur leur effectif. Personnellement, j'aurais pu choisir focalisons-nous. Ils se sont focalisés, mais focusons-nous sur ces 23 Nigérians. Tu remarques quand même que j'avais un petit peu bloqué parce que j'étais en train de chercher mon mot, mais ça venait pas, il fallait que ça sorte, et focusé est sorti. Voilà, c'est peut-être du franglais ou du je ne sais quel mélange de langues. Voilà, bon, bref, revenons-en à nos moutons et à nos joueurs nigériens. Donc, pour du côté de la défense, là, on a un axe Balogun-Trostekong. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, dans les podcasts précédents. Ça fait un petit moment qu'ils sont en place. C'est Garnotror qui les a stabilisés plutôt dans l'axe. Et depuis, ils sortent pas. Chacune de leurs prestations est convaincante. C'est un mélange de puissance, de physique, de vitesse qui est assez détonnant et qui est plutôt solide. Pour les accompagner sur les côtés, c'est un petit peu plus indécis. Je pense que là, la forme du moment risque de peser dans la balance pour savoir qui est-ce qui sera titulaire. Chez Abdoulaye semble avoir les favoris pour pouvoir commencer sur son côté. Mais après ça, il y a plusieurs joueurs, dont Olaina, un joueur né en Angleterre, mais qui a choisi la sélection nigériane, qui est tout jeune, hein, qui est 21 ans, qui est un joueur prêté par Chelsea, qui a aussi, vu la saison accomplie qu'il est en train de faire en Angleterre, a de bonnes chances de pouvoir être titulaire. Omeruo aussi, qui fait partie également un joueur de Chelsea prêté, un de ces joueurs qui est éternellement prêté, puisque je crois que ça fait depuis 2011 qu'il est prêté par Chelsea chaque année. Et on a également un petit nouveau qui a été sélectionné là dernièrement, Brian Idowu. Et ce latéral a la particularité qu'il jouerait tout simplement la Coupe du Monde en Russie à domicile, puisque c'est un Russe ou Nigérien, né en Russie, grandi en Russie, formé en Russie du côté de Saint-Pétersbourg, et qui là joue du côté de l'AC Mapen. Et au vu de ses deux dernières prestations, il y a de fortes chances qu'il puisse faire partie des 23. Donc du coup, c'est pas encore figé. Il y a encore quelques passes à prendre, même si l'axe central est déjà verrouillé. Au niveau des latéraux, on a des prétendants bien établis. Du côté du milieu du terrain, c'est un petit peu le même schéma, même si c'est encore davantage établi. Donc Obi Mikel, capitaine et titulaire, s'il est en forme, parce que on n'est pas à l'abri d'une blessure, mais bon, logiquement, lui, il est dans le 11, accompagné de Ndidi, le milieu terrain de Leicester, et de Onazi. Donc, logiquement, si les trois sont en forme, ils seront titulaires, ils seront sur le terrain. Joël Obi, de Torino, formé à l'Inter Milan, et il y a également le joueur de Las Palmas en Espagne, Etebo, qui avait marqué un petit peu les esprits
aux Jeux Olympiques avec un quadruplé, je crois, dans le premier match contre le Japon, si ma mémoire est bonne. Voilà, il y a deux joueurs, trois joueurs aussi, on peut rajouter Jean Nougou qui sont là un petit peu pour se battre pour les places de remplaçants attitrés, voilà, pour dans l'éventualité où ils auraient la possibilité de rentrer au milieu du terrain. Et en ce qui concerne l'attaque, donc. En ce qui concerne l'attaque, ben c'est là où l'abondance de biens ne nuit pas du côté du Nigeria. On en a un qui est sûr d'être titulaire sur le terrain, c'est Victor Moses, donc le joueur de Chelsea, plutôt en forme. Et il y a son âge, son expérience et ses performances de toute façon ne permettent pas à l'entraîneur de pouvoir l'envisager autre part que titulaire. Pour l'accompagner, il y a Simon Moses, Iheanacho, Alexis Iwobi, Hudson Ighalo, même Junior Ajayi, le jeune joueur de Al Ahly en Égypte, qui sont appelés régulièrement et qui logiquement devraient faire partie du groupe. Pour moi, Simon Moses devrait être la révélation un petit peu nigériane de ce mondial, hein, parmi les joueurs, voilà, qui ne sont pas encore trop connus. Un petit ailier qui est encore en Belgique à Ghent. Et qui, croyez-moi, risque d'en surprendre plus un, très rapide, très technique. Voilà, je vous laisserai l'opportunité de le découvrir parce que lui aussi sera au mondial, peut-être pas titulaire, mais probablement. Ça va jouer notamment avec Alex Iwobi d'Arsenal en fonction un petit peu des fins de saison de chacun. Ça déterminera de qui sera titulaire. Pour le poste de numéro 9, il y a Nacho, Hudson Ighalo. Ça grince un peu parce que justement les avant-centres n'ont pas marqué lors des matchs de préparation, lors des derniers matchs de préparation. On remet en doute un petit peu la forme de Hudson Ighalo qui joue du côté de la Chine et qui, figure-toi, a dû être confronté à la comparaison avec Obafemi Martins. Obafemi Martins, hein, ça peut parler aux anciens, hein, puisque c'est l'Inter de Adriano Ibrahimovic en 2006. Après, je crois qu'il a fait énormément de bien du côté de Seattle et il continue plutôt pas mal en Chine, puisqu'il en est à 15 buts. Il en a à 4 buts, pardon, déjà cette année, contre un seul pour Ighalo. Et du coup, la presse nigérienne se dit vous nous convoquez Ighalo, mais on a notre Obafemi Martins national qui est plus fort que lui. Donc pourquoi ne pas le rappeler? Et ben figure-toi que c'est là-dessus, il vient de se faire une rupture des ligaments, je crois du quadriceps. Donc pour lui, c'est pas de coupe du monde. Voilà, peut-être une petite surprise. Junior Lokosa, notamment le meilleur buteur de la première ligue nigériane avec Anopilas, qui a déjà 12 buts cette saison, qui pourrait être la surprise de la liste, et ou encore Ahmed Moussa, le buteur du CSK, j'ai envie de dire l'éternel jeune parce qu'il est très jeune, mais ça fait un petit moment qu'on le connaît, qui retrouve du temps de jeu au CSK après avoir ciré le banc à Leicester et qui a été aligné lors des deux matchs. On sent que Garnaut Traor a envie qu'il puisse être un partisan actif de cette sélection, mais je suis pas sûr que sa forme le permette et il sera peut-être pas titulaire, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Je pense pas qu'il soit en mesure de pouvoir prendre une place dans le 11 de départ. D'accord. Donc, pour résumer sur cette équipe nigériane, avant de passer à l'Égypte, quels sont au sortir, en quelques mots, hein, quels sont au sortir de ces deux rencontres, les certitudes et les incertitudes qu'ont les Nigérians? Ben, disons que leur certitude, je pense qu'ils peuvent se baser sur une polyvalence de leurs joueurs. Qui peut être symbolisé par notamment Victor Moses, qui joue latéral du côté de Chelsea, et puis qui peut jouer donc à plusieurs positions sur le terrain, que ce soit au milieu ou en attaque, avec un rôle plus ou moins défensif, ou un autre joueur, par exemple Mikel Obi, voilà, que nous on a l'habitude de voir comme un numéro 6, puisqu'il jouait dans un rôle assez défensif du côté de Chelsea, alors que du côté du Nigeria, il est beaucoup plus haut sur le terrain et dans un rôle de 10. Donc, ils ont un petit peu cette polyvalence qui est une force, puisque ça leur permet de pouvoir jouer en 4-4-2, en 4-3-3, de pouvoir s'adapter facilement sans changer de joueur. Donc, c'est je pense, pour moi, ce sera la grande force de ces Nigériens qui seront capables de s'adapter à toutes les situations et de pouvoir jouer quand il le faut, de pouvoir défendre quand il le faut et de pouvoir aller vite aussi quand ce sera nécessaire. Et s'il y a une faiblesse à mettre en avant, vous l'aurez remarqué, j'ai pas parlé des gardiens. Voilà, il y a
Enyama, qui était le gardien numéro un du Nigeria par le talent et par les performances, ben ne joue plus. Et derrière ça, ben il y a un jeune qui est du côté de l'Angleterre, qui est du côté de l'Espagne, pardon, Uso, et qui est très jeune, qui a pas d'expérience. Alors c'est difficile de mettre un gardien sans expérience à la Coupe du Monde. On a Daniel Akpeyi qui a participé à plusieurs compétitions, notamment avec les locaux, qui était à la Coupe du aux Jeux Olympiques, pardon, qui lui est âgé de 31 ans, mais voilà, il joue du côté de l'Afrique du Sud. Bon, ben, pour l'instant, c'est lui qui tient un petit peu la corde, mais voilà, peut-être que ce sera un petit peu juste pour une Coupe du Monde et ça risque d'être un des gros points faibles de cette équipe nigériane. D'accord, eh bien écoute, hormis ce poste problématique de gardien, on constate donc en effet que l'effectif nigérian semble taillé pour réaliser quelque chose d'intéressant lors de ce mondial russe. Alors avant de passer à l'Égypte, je rappelle, comme tu l'as dit, que le Nigeria en préparation pré-compétition jouera 3 matchs amicaux, l'un contre le Congo, la République démocratique du Congo, un autre contre l'Angleterre et un dernier contre la République tchèque, tout cela avant d'aller affronter la Croatie, l'Islande et l'Argentine de Léo Messi dans son groupe, l'Argentine de Léo Messi, qu'elle avait déjà affronté en 2014 et en 2002 d'ailleurs, et en 2002. Eh bien écoute, passons maintenant aux Égyptiens, aux pharaons. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai dit les aigles tout à l'heure, le surnom c'est les pharaons, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les aigles. Tu étais en Tunisie, les aigles c'est ça, de Carthage. Oui, j'étais pas loin, mais non, c'était pas bon. Les pharaons, donc, qui ont joué deux matchs amicaux, également, comme tout le monde, en fin de compte. L'un contre le Portugal et l'autre contre la Grèce, pour, eh bien là, pour deux défaites. Alors, une défaite contre un Portugal qui s'est sauvé grâce à son héros, son Hercule, son Cricri Ronaldo, qui les a sauvés dans les derniers instants, hein, il me semble, c'est les deux buts dans les arrêts de jeu, ou quasiment deux buts de la tête, pour s'imposer 2-1, alors que l'Égypte avait plutôt fait bonne figure et avait marqué par l'inévitable Mo Salah. Et puis enfin, donc, une défaite également contre la Grèce sur un but de Karelis. Deux défaites. Alors on l'a dit, hein, contre le Portugal, c'est à pondérer, mais ça reste deux défaites. Est-ce que du coup on peut remettre un peu en question tout le bien qu'on pensait de cette équipe égyptienne ? Eh ben, en tout cas, le coach Hector Cooper, lui, ne se pose pas la question. C'est vrai que la défaite contre le Portugal est assez cruelle, hein. C'est vraiment deux buts dans les arrêts de jeu. La victoire était acquise et puis bon, on se fait. Ils ont été dominés, malgré tout, ils ont été dominés dans le jeu, mais ça fait partie aussi de cette capacité de l'Égypte à savoir défendre, à savoir faire le dos rond et encaisser des vagues adverses sans prendre de but. Bon, voilà, là, ils ont craqué dans les arrêts de jeu. Peut-être qu'au contraire, ça peut être une bonne chose, un bon avertissement en marge un petit peu de ce mondial, justement pour se mettre au diapason et pour comprendre que le match, c'est pas 90 minutes, mais 94 ou 95. Et qu'il faudra être concentré jusqu'à la fin. La défaite contre la Grèce peut faire un petit peu plus tâche, mais voilà, un petit peu comme pour le Nigeria, Hector Cooper a pas mal fait tourner. Et du coup, voilà, c'est des résultats qu'il faut prendre peut-être avec quelques pincettes, notamment Mohamed Salah n'a pas du tout joué. Donc voilà, est-ce que le résultat, en tout cas en lui-même, n'est pas forcément trop révélateur, et en tout cas ça n'a pas inquiété le sélectionneur. Du côté de l'Égypte, on est un petit peu plus avancé, puisque le staff annonce qu'il y a déjà 20 joueurs qui sont déjà dans la sélection finale, bien sûr sous réserve de blessures. L'Égypte tremble d'ailleurs, puisque hier, lors du match de Ligue des Champions entre Liverpool et City, Salah est sorti sur blessure, et je peux vous dire que c'est toute l'Égypte qui tremble, puisque c'est lui qui par son talent et par son charisme portera cette sélection pendant le mondial, ça c'est une évidence. Et donc du coup, pour revenir sur 20 joueurs semblent déjà en tout cas être dans la sélection, et donc ils annoncent qu'il reste 3 places et que pour cela ils surveillent de près le championnat égyptien, la première ligue égyptienne. Et que probablement que c'est dans ce championnat-là qu'il faudra tirer les trois dernières places restantes pour le mondial. Donc, pour faire un petit point sur cet effectif assez rapidement. Donc, devant, on a Ahmed Koka du côté de Braga, on a Salah et Trezeguet.
qui sont, voilà, qui logiquement devraient être les trois titulaires, sous réserve bien sûr de blessures. Au milieu du terrain, on a Elneny, le joueur d'Arsenal. On a également Saïd, dont Farouk vous a parlé la dernière, dans le dernier podcast, hein, le joueur du Al Ahly qui a failli partir du côté du Zamalek et puis qui finalement a été prêté en Arabie Saoudite. Donc voilà, lui logiquement aussi devait être titulaire au milieu du terrain avec peut-être un Tarek Ahmed ou un Sam Morsi ou pourquoi pas même encore un Salé Gomma, voilà, qui se battent pour le troisième spot au milieu du terrain. Pour la défense, là pareil, quelques certitudes, hein, El Mohamadi, Eghazi, Ali Gaber, Mohamed Fati qui pourraient être les quatre titulaires. Et puis derrière dans les buts, on a on a celui qui pourra battre le record de vieillesse lors d'une Coupe du Monde, le monument, le gardien El Hadary, qui sera, à n'en pas douter, titulaire dans les cages. Qui est là depuis 96, hein, les premières sélections des Sam El Hadary, c'est 1996. Kylian Mbappé n'était pas né. Non, c'est vraiment impressionnant et je pense que ce serait vraiment mérité que de pouvoir laisser son nom dans les tablettes en étant le plus vieux joueur à disputer un mondial, même si j'ai tendance à dire que d'édition en édition, le record tombe. Donc voilà, c'était resté longtemps avec Roger Milla, ça a été battu la dernière fois, ça risque d'être battu encore de nouveau. Du côté de la fédération égyptienne et du coach Hector Cooper, on s'inquiète un petit peu du Ramadan, parce que figure-toi que le Ramadan va tomber un mois avant le mondial, va tomber dans le mois qui précède le mondial. Il devrait se terminer le 14 juin, au moment où va débuter la Coupe du Monde. Donc pour la préparation, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et là, le staff a décidé de suivre et d'organiser au mieux le Ramadan de ses joueurs, de l'accompagner. Ils ont renforcé leur staff avec notamment un nutritionniste, de manière à pouvoir gérer au mieux cette période. Ils se sont entourés d'éminents spécialistes religieux aussi pour pouvoir voir dans quelle mesure les joueurs peuvent s'hydrater, etc. Sachant que la préparation d'une Coupe du Monde, on sait, c'est une période qui est toujours intense avec une bonne préparation physique et tout ça. À la fin d'une saison, ce sera pas facile. Donc, en tout cas, sachez que les Égyptiens ont décidé de prendre le devant par rapport à ça et que Hector Cooper sera associé des meilleurs spécialistes pour pouvoir l'aider à faire assumer le jeûne à ses joueurs. Il me semblait que, peut-être que je me trompe, mais le Coran ne prévoit pas des dérogations possibles pour les sportifs de haut niveau en ce qui concerne le Ramadan. Je crois que c'est quelque chose d'ailleurs de lié de très ancien, notamment par rapport aux soldats en campagne qui, il me semble, ils avaient une dérogation pour repousser le Ramadan, hein. C'était pas totalement excusé, ouais. Il fallait le repousser, mais est-ce qu'il n'y a pas une dérogation comme ça en sportif de haut niveau? Sincèrement, je sais pas, je pense que ça dépend de l'interprétation aussi un petit peu de chacun. J'en ai entendu parler, mais sincèrement, plutôt que dire des bêtises, je peux m'associer à ce que tu as dit parce que je l'ai entendu, effectivement, on peut se faire il y a des moyens de pouvoir de pouvoir repousser son jeûne, de pouvoir le décaler, etc. Mais précisément, je ne sais pas si ça s'applique à tous les sportifs. Je pense que c'est un petit peu du cas par cas. Et puis voilà, comme toujours, c'est lié à l'interprétation. Et puis bon, faut pas oublier, le Ramadan, ça reste quand même un acte personnel. Donc voilà, je pense que c'est aussi chaque joueur qui est en mesure de voir comment il peut y déroger ou pas exceptionnellement pour cette Coupe du Monde. Très bien. Et du coup, même topo que pour le Nigeria et toutes les sélections qu'on a fait auparavant. Quelle certitude et incertitude peut-on tirer de ces deux rencontres et avec lesquelles le groupe égyptien va se diriger petit à petit vers le mondial russe? Pour moi, la certitude numéro un de cette Égypte, c'est Mohamed Salah. Hein. Il a montré contre l'Égypte, contre le Portugal, qu'il est capable de porter sa sélection au plus haut niveau international, parce qu'il faut rappeler qu'il a déjà porté sa sélection au niveau africain. Il arrive en finale de la CAN pratiquement grâce à lui. Enfin, l'Égypte arrive en finale de la CAN grâce à lui. Il a qualifié son équipe au mondial, rappelez-vous, avec un doublé dans le match décisif contre le Congo. Donc, il explose complètement cette saison en Première Ligue. Moi, je m'attends à avoir un Mohamed Salah qui vole sur cette Coupe du Monde, qui sera un petit peu le Rames Rodriguez de 2014 et qui, si son équipe arrive à
à le soutenir, à le supporter. Il fera d'énormes étincelles pendant ce mondial. Il y a quand même pas mal de certitudes au niveau de l'effectif. Vous l'avez compris, la sélection, le groupe est déjà constitué. C'est un petit peu comme pour notre équipe de France. Donc, c'est une équipe qui va arriver avec pas mal de certitudes. Leur coach, il est un petit peu décrié parce qu'on estime que le jeu égyptien est un petit peu trop restrictif, qu'ils ont trop tendance à défendre et à contre-attaquer. Mais voilà, c'est peut-être une arme qui sera très efficace et qui sera très efficace dans cette Coupe du Monde. Et voilà, ils ont un groupe avec assez abordable. Je rappelle qu'ils débutent contre l'Uruguay. Après, ils auront à affronter la Russie et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ça devrait le faire en termes de connaissances. C'est une sélection, un pays qu'ils connaissent bien, donc il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. Et puis la Russie n'est pas tellement en forme, donc voilà, ils seront à domicile. C'est un facteur qui sera à prendre en compte. Mais je suis assez optimiste pour cette Égypte et sincèrement, je vois pas de points négatifs. Je vois pas de choses à revoir dans leur préparation. Bien sûr qu'ils auraient, ça aurait été mieux de gagner. La victoire appelle la victoire, comme on dit, mais je suis pas inquiet. Il reste encore deux beaux matchs pour eux. Ils vont affronter la Belgique avant le mondial, encore dans un dernier match de préparation. Donc voilà. Mais voilà, comme la certitude au niveau de l'effectif est réelle, au niveau des capacités, comme le Hector Cooper est là depuis 2015. Voilà, c'est vraiment une équipe en place qui va se rendre en Russie. Et au niveau des incertitudes ? Sincèrement, j'en ai pas. Très bien. Sincèrement, je vois pas qu'est-ce qui... par exemple, le Ramadan aurait pu être un problème, ça a été anticipé. Voilà, j'ai l'impression que cette Égypte va arriver novice, va revenir presque 28 ans après à une Coupe du Monde, mais ça va pas être en retour de novice, justement, ça va être en retour d'expérimenté. Super, bah écoute, l'Égypte donc qui n'a en fin de compte de limite que son propre talent, voilà, que ce qu'elle a, le potentiel qu'elle a apporté. Non mais c'est très bien, c'est preuve d'un superbe travail en amont et sur plusieurs années. Alors comme tu l'as dit, mais je vais le rappeler, hein, l'Égypte jouera deux matchs, il y en a un que tu n'as pas dit, deux matchs préparatoire juste avant de rentrer dans la compétition, donc la Belgique comme tu l'as dit, mais juste avant ça il y aura le Koweït, donc une petite nation et puis une très grosse nation, une nation en tout cas qui pèse actuellement, avant comme tu l'as dit également de s'attaquer à un groupe qui en effet est abordable, hein, le 8e est envisageable, hein, de manière tout à fait lucide, l'Égypte je pense peut envisager de passer en 8e de finale, puisque son groupe est composé, bon, alors de l'Uruguay, hein, ça c'est un peu l'ogre, ça va être difficile contre l'Uruguay, mais ensuite de la Russie et l'Arabie Saoudite, deux équipes largement à sa portée. Et ben écoute, merci beaucoup Pierre-Marie. Ben, c'est moi qui te remercie, et puis tous les auditeurs également, et on se donne rendez-vous pour... encore plus d'histoire du football africain. Eh ben écoute, j'allais dire, on se donne rendez-vous pour parler de l'équipe africaine, d'anecdotes, etc. Et puis, comme un de nos sujets préférés, comme je le disais à Farouk, débriefer un petit peu cette Ligue des Champions d'Afrique. Ouais, qui revient à vitesse grand V, puisque ça approche, on est déjà bientôt en mai. Super, ciao ciao PM. Salut Simon, à bientôt. Tunisie, Maroc, Nigeria, Égypte. Et oui, vous l'aurez remarqué, il en manque un. Il s'agit bien entendu du Sénégal, que Farouk et PM ont préféré ne pas aborder, par honnêteté intellectuelle, faute d'avoir pu véritablement observer les performances des hommes d'Aliou Cissé. Voilà pourquoi je vous invite à vous rendre sur galsenfoot.com, où vous trouverez un article tout à fait pertinent traitant des enseignements à tirer des deux rencontres de la sélection sénégalaise. On vous met le lien dans la description, comme il est coutume de dire. Sachez en substance que les Lions de la Teranga ont affronté l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine pour 2 nuls, respectivement un partout puis un score vierge contre la nation des Balkans. La bande de Sadio Mané se chauffera avant d'entrer en compétition face au Luxembourg, à la Croatie puis à la Corée du Sud, avant de s'envoler pour la Poutinie où ils défieront la Pologne, la Colombie ainsi que le Japon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 7e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis !